Bonjour, toi. Oui, toi. Toi qui as un peu eu la sensation que ce mois d'avril ne tournait autour que d'un seul film. Ce cher After, bien évidemment, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'avril, que dois-tu absolument voir dans les salles? El Reino. Il y a des films qui parviennent à nous conquérir en un clin d'œil, d'autres qui, avant même leur sortie sur les écrans, ont déjà été portés au pinacle de la création audiovisuelle grâce à des auteurs cherchant absolument à construire quelque chose qui rassemble, mais qui pourrait décevoir, et d'autres qui tentent de se faire une place au gré de leur exploitation. Il est évident que le film de Sorogoyen s'inscrit malheureusement dans la troisième catégorie, cherchant absolument à nous convaincre et à nous captiver, presque uniquement par le biais de son exploitation, ne pouvant pas miser sur une campagne publicitaire folle et bénéficiant en France d'une critique dithyrambique, mais de spectateurs qui restent encore à convaincre. Eh bien, à ceci, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas réfléchir. Tout, dans le troisième et nouveau long métrage du petit prodige venu d'Espagne, est voué à faire de ce moment de septième art un grand moment de cinéma. Tout est grandiose au cœur de son troisième long métrage, que ce soit la puissance d'un visuel tout simplement fou et ambitieux, que ce soit par le biais de cette histoire tout simplement passionnante et foisonnante d'idées qui pousse le spectateur à se poser des questions et à remettre pas mal de choses en cause, tout en étant simplement une aventure humaine face à cet homme politique et son monde. Bien au-delà de simplement être un film que l'on pourrait résumer à tous pourris, Sorogoyen en fait plus et cherche absolument à donner lieu à une œuvre tout simplement hallucinante, ambitieuse, démesurée et juste parfaite de maîtrise, dont la cinéphilie et l'envergure de la mise en scène nous rappellent à quel point le cinéma est avant tout un art avant d'être une production, comme on a souvent trop tendance à le dire aujourd'hui. Tout cela et bien plus encore confirme, pour ceux qui auront encore des doutes, que le jeune metteur en scène espagnol va aller très très loin. Et en sachant qu'il a déjà remporté un paquet de Goya, je pense que la Palme d'Or lui est quasiment tendue dans les mains. On pourrait continuer encore et encore à décrire à quel point ce long métrage est bourré de moments de brio, d'instants de puissance, de fragments de génie compilés et sublimés par la maîtrise d'un cadre que Sorogoyen passe son temps à transcender et à rendre merveilleux. Mais il y a plus encore à ajouter à cela. Un point qui personnellement me fascine totalement, un point que je trouve être tout simplement hallucinant de maîtrise, un point qui me rend joyeux à chaque fois que je parle de ce long métrage. C'est l'excellence d'un Antonio de la Torre qui livre ici une prestation habitée et puissante d'un personnage qu'il transcende à merveille, parvenant à la fois à le rendre attachant, mais détestable, à en faire un antagoniste protagoniste tout simplement rare. Vous l'aurez compris, donc foncez voir El Reino. C'est déjà un grand moment de cinéma, mais au-delà de cela, c'est un grand film sur la politique et sur les hommes qu'il y a en son sein. Et je pense que, encore plus loin que cette simple réflexion, c'est avant tout un grand moment de septième art qui ne risque pas un seul instant de vous laisser indifférent.